Radio du Val d'Azergue. Demain dès l'aube, pastille poétique, épisode numéro 6. Un épisode que j'intitule Séductrice extérieure. En la suave compagnie de Julien Arbez et de son ouvrage Ma vie sauvage dans le Jura, où se conjuguent avec magnificence photos, textes et poèmes. Alors, nous parcourons cet ouvrage avec 6 petits textes. Dehors. Dehors, par-delà les carreaux, les portes et les serveurs, les plafonds du bureau, les portails et les murs, il y a un ailleurs où des êtres barbus, aux bras démesurés, lentement biscornus par les années passées, me font voyageur. Séductrice extérieure, je te joins sans fin, ton cœur est maraudeur, il a cueilli le mien. Frima. Frima, il sculpte les ruisseaux, rafraîchit le propos. Il habille le théâtre de ses touches opiniâtres. Ses cristaux éphémères en manteau s'agglomèrent, couvrent prés et villages, donnant autre visage aux oiseaux devenus du désert ingénus, aux forêts d'abondance devenues de silence. L'hiver est là, j'y ai posé mes pas. Et l'on se projette à tire-d'aile. À tire-d'aile. Légèreté du moment, tu m'as pris sous ton aile, léger comme une plume, sans y laisser les miennes, je vole, je vole. Ordinaires instants, sans être ce drôle d'oiseau flanqué d'un coup dans l'aile, sans être l'oiseau rare, je vole. Picorant l'enchantement dont vous me gratifiez, je reprends mon élan, poursuis ma migration. Je vole, je vole. Rubis tempête. Rubis tempête. Le jardin chic a perdu ses couleurs, eau noire troquée contre une silhouette avec un ciel enchérisseur empourpré de rubis tempête. Se ferment portes et persiennes, se taisent les parvis et les rues, fille des insanités mondaines, la majesté est dans les nues. Solitude. Solitude. Célibataire et casanière, tu tends silence dans cette combe à l'atmosphère de circonstances. Est-ce toi qui t'es charpenté en ce plein vide? Ou est-ce le vide qui t'a comblé de son égide? Quoi qu'il en soit, ta solitude te va comme un gant réchauffant. Vis tranquille ta béatitude, sois seul au monde pour longtemps. Après cette petite respiration musicale, nous terminons momentanément
cette pérégrination en le sauvage du monde de la façon suivante. Dissipation. Dissipation. Les empreintes comme une mémoire du cheminement vagabond d'un insatiable renard, noctambule navigation, sont vaporeuses et transitoires que les bourrasques effaceront. Que nos pas, comme ceux du renard, soient doux sans autre prétention que celle de passer dans l'histoire comme un soupir d'accordéon. Ainsi se dissipe et se dissout lentement cette sixième pastille poétique « Demain dès l'aube ». Je vous invite à vous fondre dans ce livre de Julie Arbez autour du rapport de l'humain au vivant qui compte la quête d'un être dans l'être du sauvage millénaire, contemporain et en devenir. En toute sauvagerie humaine, je vous salue, au plaisir de vous retrouver sur notre antenne à images.